Bonjour à tous, bienvenue, j'allais dire sur cours de pâtisserie, enfin presque sur la page de la pâtissade de cours de pâtisserie. On est quand même sur cours de pâtisserie. Oui, c'est vrai, on est quand Je même te sur cours rappelle de que pâtisserie. c'est le nom de notre boîte. C'est vrai, CDP Saint-Nicolas. Voilà, vous êtes sur la page de la pâtissade de CDP Saint-Nicolas, la pâtissade 2022, donc bienvenue. Vous allez peut-être faire partie des 50 heureuses personnes qui vont pouvoir participer. Qu'est-ce qu'il fait, chef, à faire des grimaces comme ça? Qui vont pouvoir participer donc à la pâtissade 2022. Donc on vous attend nombreux, mais pas trop du coup, 50 personnes seulement, pour le 5-6 février 2022. Voilà, au centre de Bordeaux, j'allais dire, n'importe quoi, au centre de France. Voilà, donc vous allez avoir en dessous toute la description de l'événement, vous allez avoir aussi le lieu. Non, en dessous de la vidéo, là où il y a la page. Parce que là, en dessous de la vidéo, il y a... Ouais, ouais. En dessous de la vidéo, il y a des préparations pour des gâteaux, en dessous de notre téléphone, voilà. Bon, à part ça, ça va se passer comment la pâtissade de chef? Tu penses que ça va être sympa? Ouais, c'est bon. Voilà, la description, la description de la pâtissade du chef, voilà, c'est super non, vendeur. Être... Venez, venez. Ça va être génial, et puis ça va être le moment, en fait, de se rencontrer, d'apprendre à connaître un petit peu tout le monde, parce que, mine de rien, je pense qu'on se connaît bien, mais à travers un écran. Donc aujourd'hui, c'est une occasion, en fait, de partager un petit moment ensemble, et puis voilà, et de s'amuser. Par contre, sans prise de chouchou, on est là pour être, mais comme on est en cours, hein, cool, tranquille, sans prise de tête, on n'est pas une boîte d'événementiel, donc c'est quelque chose qu'on fait comme on ferait à la maison, comme une vraie cousinade, tranquille. C'est ça, pour ceux qui donc, se venez qui vraiment savent pas ce que comme c'est vous une êtes, cousinade. Et sans vous attendre à avoir quelque chose... De 3 étoiles, 4 étoiles, alors, parce que ça passe. Prévoyez pas de paillettes, rien du tout, hein, on est bien d'accord. Là, c'est comme si c'était une cousinade. Une cousinade, c'est se retrouver en famille au moins une fois par an, logiquement, hein, habituellement. Et mais là, forcément, la famille, c'est vous, hein, ce sont les élèves. Donc, c'est vous retrouver entre élèves, cohésion alors, de groupe. Je viens de le dire. Une cousinade, en fait, c'est. On y va, on est en famille, on est là pour s'amuser, on est là pour laisser le côté sérieux de côté. Et on fait. On ressort le balai dans le cul. Pardon. Et oui, on dégoupille quoi. Ah, et tranquille. On est... D'accord, je connaissais pas l'expression on ressort le balai dans le cul pour en dégoupiller. Mais très bien, je voilà. Enfin bref. On dormira plus intelligent ce soir. Oui, toi surtout. Mais... Bon, en tout cas, ça va super bien se passer. Va y avoir des animations du style un concours de pâtisserie. Alors, oui. Pâtisserie sucrée salée, vous allez voir, c'est décrit en dessous. Alors, justement, le petit concours en tu fait, veux donner s'il plus va de y avoir. Détails. Non. On garde le secret. Ouais, moi, je pense qu'il faut en garder pour un petit peu après. Vous aurez d'autres actions bientôt. On garde le secret. C'est un petit concours. Alors, c'est un petit concours. Concours, peut-être pas si petit que ça, parce qu'il va quand même durer 2 heures minimum. Et puis, il faudra quand même penser... Alors, pour le coup, si vous venez à la pâtissade, alors je dis pas que vous serez obligé en fait, de participer à son cours. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Quand même, il sera préférable. Ça sera super sympa. Vous verrez pourquoi. Ça sera préférable que vous participiez à son cours. Non, puis en plus, alors le seul qui participera pas, c'est moi. Et moi non plus, je participe pas, chef. Hein. Bon. Oui, mais non, c'est pas prévu. Okay. Enfin, moi, je goûte. Non, moi, je participe pas parce que j'organise, parce que je vais juger. C'est moi qui vais vous juger. Il est content. Il est content. Et non, mais ça va être sympa. Après, il n'y a aucune pression, en fait, à avoir. Zéro pression. Venez, en fait, tel que vous êtes. Venez tel que je suis moi devant l'écran. Naturel. Ouais, naturel, tranquille. Naturel, ok. Sans puis il va y avoir va y avoir un super apéro le soir. Voilà, va y avoir donc une animation par Véro, hein, notre coach experte en accélération de croissance personnelle. Vous découvrirez pourquoi on dit ça. Vous allez avoir donc à part l'apéro, il y a un concert. Hein, parce que on va danser potentiellement, enfin, pour ceux qui sont motivés, puis ceux qui ne sont pas motivés le seront à la fin de la soirée. On va danser. Voilà. On aura un aligot logiquement donc le dimanche. Voilà. Le petit déj, enfin bon tout. Elle n'a pas compris ma blague. Non. Non, c'est pas grave. Tu peux répéter la blague? Un aligot élément. Enfin, un aligot élément. C'était pourri. Mais... Bon, il faut savoir que c'est le matin, là, hein, et premier café, il manque le deuxième café. Voilà, donc merci à tous. Vous voulez absolument tourner cette vidéo le matin.
pas sûr que ça soit une superbe idée. En plus, on est dimanche. C'est mieux que le soir, hein, du moins. On est dimanche. Et au final, je me suis dit... Alors, on va arriver à vous le dire. Les places se réservent en dessous de cette vidéo. Vous avez toute la description. En dessous, c'est plein de travail. Vous avez toute la description de la pâtissade en dessous de cette vidéo. Il y a 50 places seulement disponibles. Voilà. En tout, c'est-à-dire élèves, femmes et maris compris, potentiellement. OK ? 50 places seulement. Donc... En tout cas pour cette pâtissade 2022, ok? Donc allez-y, c'est maintenant qu'il faut réserver vos places, ok? Et puis vous aurez toutes les informations petit à petit par email et dans le groupe privé des gens qui participent à la pâtissade. Parle de micro. Il suffit maintenant, chef. Allez, on va retourner à nos tournages classiques. Concert. Alors oui, il devait y avoir un concert et vous aurez accès au micro potentiellement. Voilà, donc on donnera le micro au chef. Apparemment, il a l'air inspiré. Voilà, non, ok? C'est bon. Quand j'ai le micro, je suis timide. Non, j'ai pas le micro, je suis pas timide. Ouais, je vois ça, ouais. Allez, merci à tous. On compte sur vous pour venir et pour remplir la pâtissade. De toute façon, ça va être facile à mon avis. Donc, venez. Et puis, on va passer un super bon moment tous ensemble. Voilà. Gros bisous. À très vite. Bye bye. C'est pas possible. Je pourrais vous le laisser après la pâtissade, s'il vous plaît.